Bonjour tout le monde, c'est Sergi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons jouer à PES 2023, les gars, eFootball 2023. Nous allons faire une carrière de joueur. Pour l'instant, attendez, je clique sur Start pour commencer. On va commencer ensemble. Et regardez, j'ai une nouveauté sur ma chaîne. J'ai maintenant un avatar, les gars. Je fais maintenant du VTubing. J'ai ajouté juste cet avatar. Pour amener un peu d'innovation pour que mes vidéos soient un peu plus captivantes, un peu plus fun, quoi. Et vous me dites ce que vous en pensez de cet avatar. J'essaie de faire un avatar qui me ressemble. Ça m'a pris un temps fou pour faire tout ce que je suis en train de vous montrer là. Même ce PS 2023 pour l'installer, ça a été une catastrophe. Ça m'a pris au moins 2 jours. Parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. J'ai dû chercher PES partout. C'était très difficile, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait vers la fin de la vidéo, comment j'ai fait pour installer PES 2023. Mais c'est un très long processus, à part si vous voudrez que pardon, à part si vous voulez que je fasse une vidéo plus tard, plus informée. Mais ça m'a pris un temps super fou, les gars. Temps super fou. Alors bon, voilà, donc je suis en train de vous montrer comment tout se passe là. Maintenant, vous êtes ici, bien sûr, on est là, on va faire une carrière vers une légende. Alors, on va faire nouveau. On va voir, on va créer un nouveau joueur et on va jouer cette saison. Donc, on va faire fréquence de transfert. Je crois que je vais faire assez faible pour je vais faire faible, assez faible. Non, bah, ok, je vais faire faible parce que je activer première période de transfert, désactiver et puis ça, je vais faire assez faible comme ça. Et puis je vais faire première période de transfert désactivée parce que j'ai pas envie que les joueurs partent. Affichage du salaire annuel, je préfère. Niveau débutant, ok. Il y a superstar, je vais mettre professionnel parce que superstar, parfois je trouve que c'est scripté. Temps de jeu, je laisse 10 minutes et la monnaie, ça sera l'euro. Et puis je clique ok. Ensuite, je vais faire joueur original, bien sûr, parce qu'on va faire joueur original. Africain, bien sûr. J'aurais pu ajouter mon pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo, mais j'ai pas pu trouver le pack. Et je crois que ça m'aurait pris beaucoup de temps pour créer une équipe pour la République démocratique du Congo. Et là, je crois que je vais choisir, je sais pas, le Burkina Faso. Est-ce que le Burkina Faso se trouve dans... Non, je crois que je vais partir avec le Ghana. Parce que le Ghana, ça, je me rappelle très bien que ça se trouvait dans le truc. Maintenant, nom du joueur, bien sûr, je vais mettre mon nom. Sergi. Bon, tout ça sera un long processus. Je vais faire passer beaucoup de trucs. Je vais augmenter la vitesse de la vidéo pour que les parties ennuyeuses. Ça vous énerve pas. Parce que je sais que. Alors, on va appuyer S. On va chercher un commentaire pour notre joueur. Donc, c'est Sergi. Est-ce qu'il y a Sergi? Bon, je vais aller pour Sergi sans père parce que je connais pas ce joueur. Est-ce qu'il existe même? Ça, je ne sais pas. On s'en bat les couilles. Allez, non, non, sur le maillot, bien sûr, je vais mettre Sergi. Voilà, ça j'aime bien. Les célébrations, ça je vais m'occuper de ça plus tard. Je prends celle-ci. Je crois que je vais prendre celle-là. 160. Que je vais prendre ça d'abord. Et puis après, ça sera celle-là. La petite danse pour la célébration. Tout ça, pied droit, bien sûr. Fréquence, j'ai fait ça. Je sais pas c'est quoi en fait. Ça, je vais prendre deux. Je sais pas ce que c'est. Allez, on va appuyer OK. On a fini de créer notre joueur. On va choisir là où il va jouer. Il sera, bien sûr, il va jouer comme Erling Haaland,
qui ne veulent pas jouer en tant qu'attaquant. Peut-être défenseur au milieu, mais ça, je sais pas. On va voir. Opportuniste, buteur malin. Ok, je vais prendre meneur créatif, c'est mieux. Alors, on va cliquer sur ça. Et donc, on me demande où est-ce que je vais commencer. Je crois que je vais commencer dans un endroit. Je vais aller jouer peut-être en Ligue 2. Parce que c'est le championnat dans lequel je connais. Donc, on va commencer en Ligue 2 peut-être. Pourquoi Ligue 2? J'ai envie de commencer une carrière un peu réaliste. Et donc, voilà, nous sommes de retour, ça a chargé. Et maintenant, je vais jouer dans cette équipe. Comment? Je n'ai même pas vu le nom de cette équipe. Je n'ai jamais joué dans cette équipe. Attendez un peu. Je vais régler un truc là. J'ai diminué aussi les graphismes parce que, en fait, j'ai installé beaucoup de patchs. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est PES 2021 qu'on est en train de jouer. Mais j'ai installé le patch 2023, si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est un très très long processus, surtout sur 2021. Si vous voulez faire ça, allez sur 2020. En tout cas, sur 2021, ça m'a cassé la tête. Ça m'a cassé la tête. Et là, je joue dans info sur mon équipe. Je sais pas quelle équipe je joue. Allez, voilà, vous voyez, ça c'est mon club Chambly. Et voilà, donc ça c'est mon équipe. Et là, je vais évoluer en Ligue 2 parce que j'ai 62, 68 et il faut que je joue autant de matchs pour évoluer. Alors, on va régler beaucoup de choses rapidement. Moi, c'est la première fois que je joue PES 2021, sans vous mentir. Je n'ai jamais joué une carrière. J'ai joué juste que des matchs comme ça parce que ça ne m'intéressait pas. Mais pour YouTube, donc, vous voyez, ça me manque trop vers une carrière sur PES parce que moi, je préférais ça. Et je trouvais que ça avait beaucoup plus de potentiel que sur FIFA. Mais FIFA 2023, quand j'ai vu FIFA 2023 et j'ai vu que ça avait beaucoup évolué. Alors là, on va faire des entraînements. Donc, pour le moment, comment je vais faire? Je vais faire les tirs. Je vais diminuer un peu les passes. J'aurai besoin de la vitesse, surtout. Pas besoin de force. Pour le moment, on veut la vitesse et l'endurance, surtout. C'est tout ce que je peux faire. Choix technique. On peut s'entraîner. On peut prendre. Je fais double contact d'abord parce que c'est le plus facile à faire. Alors. Donc, voilà pour l'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à changer? Mes données. On va voir mes données. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'était mon évolution. Et on peut voir les messages aussi. Je suis prêt à t'aider. Je me permets de te rappeler des moyens. Bon, pour l'instant, je ne serai pas appelé pour l'équipe du Ghana. Ça, je vais pas m'occuper de ça. Poste préféré. Numéro préféré. En tout cas, je vais prendre le numéro 10. Hein. Est-ce qu'il est... Non, il n'est pas. On va voir qu'est-ce qui est... Calendrier. Alors, on va voir le calendrier tout de suite. Directement, on va jouer. On va directement commencer. Et puis ici, il y a les bases de données, bien sûr. Information. Bref, tout ça, je verrai tout ça seul. Hein. Classement des clubs, tout ça, système. On va sauvegarder parce que on ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Alors, système, sauvegarde, données du joueur, sauvegarder, données du joueur, option générale. Option générale, alors c'est ça. Bon, on peut changer ça après. Ça, il y a de ce qu'on ne pouvait pas changer, c'est normal. Alors, on va avancer le temps et on va jouer notre premier match, peut-être, parce que là, on est sélectionné, je crois. Allez, on va avancer le temps. Match suivant, direct. Espérons que ça ne va pas bugger. J'ai en tout cas baissé. Je suis désolé pour l'image. Je ne peux pas jouer en 1080p parce que j'ai installé tellement de modes. Comme je l'ai dit, c'est PS 2021, mais j'ai installé le patch 2023. J'ai mis à jour 2021. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, mais en tout cas, ça m'a cassé la tête. Je ne crois pas que je le ferai parce que ça m'avait vraiment, vraiment, mais alors vraiment cassé la tête. Si je dois le refaire, je dois réinstaller le jeu et vous montrer, faire un tuto, mais ça dépendra de vous, et ça dépendra aussi des vues. Si cette vidéo a beaucoup de vues et que ça attire beaucoup de personnes et ils veulent voir comment j'ai fait. En tout cas, ça a pris beaucoup de temps.
Bon, c'est parti, nous sommes partis pour jouer notre truc. Oh, voilà, là, on est parti. Ah là là, c'était notre. Moi, je ne sais pas si je vais continuer avec cette caméra ou je vais changer. Ah là là, là, on me bloque. Tiens, 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 tiens. Fais la repasse ici. Oh là là. Et voilà, le match commence. Ça commence fort, en tout cas, ça commence fort. Je ne sais pas si je vais garder cette caméra ou faire la caméra normale. Vous me dites ce que vous pensez, quelle caméra vous préférez. Mais en tout cas, cette caméra est difficile à utiliser, mais on peut voir tout le terrain si on veut. En tout cas, pour se déplacer automatiquement, ça, je ne sais pas. Dans les commentaires, vous pouvez me dire comment je peux me déplacer automatiquement. Voilà, j'ai fait une jolie passe. On va essayer de passer à droite. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait du n'importe quoi là-bas. Il faut que je revienne. Voilà. On peut l'avoir, on peut l'avoir, on peut. Mais il me passe très mal. Ah non, j'ai fait une très mauvaise passe. Je voulais passer, le gars. Je suis pas habitué à jouer sur cette caméra. Attendez un peu, je change un peu. On va faire joueur, non. Stat comme ça va. Vous me dites si cette caméra vous la préférez. En tout cas, je galère sous cette caméra parce que j'ai pas vraiment l'habitude de jouer sous cette caméra. Et faut pas oublier que je joue dans professionnel pour le moment. Attendez, est-ce qu'il peut me faire la passe? En tout cas, je suis en train de galérer. Mais c'est notre premier match, c'est normal. On n'est pas encore fort. J'espère que ça bug pas trop. Je suis désolé pour la qualité de l'image un peu. Bon, voilà. Oh là là, on est en train de se faire dominer. Je crois que je vais aller défendre un peu, aider mon équipe. Voilà. Je crois pas. Passe ici, fait la passe. Ah, ok, on va essayer. Ah, il n'a pas pu récupérer la balle, mais ça va. Je vais diminuer le volume de mon côté parce que il est un peu très fort et je m'entends pas parler. Allez, on va voir, on va voir, on va voir. Ok, on va voir. Fais la passe, fais la passe. Et le premier tir, notre premier tir de notre carrière. Là, il fallait que je tire. Je crois que professionnel, c'est un peu dur pour moi. Ou bien parce que je suis au début, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai pas le niveau. Mais on va essayer de s'habituer à ça. Je vais pas diminuer ça parce que ça. Ah, mais il me passe mal, il m'a mal passé là-bas. On n'arrive pas à regarder la balle, on se fait dominer, sérieusement. Ok, là. Ah là là là, c'était pas si facile de récupérer cette balle. Bon, première mi-temps, vraiment une première mi-temps catastrophique, il faut l'oublier directement. On va continuer, on va faire la deuxième mi-temps et on va essayer de très bien jouer. En tout cas, il faudra que j'aie une endurance. Je vais m'entraîner, je vais augmenter l'entraînement d'endurance parce que je me rends compte que je perds très facilement l'endurance. Et je ne me rappelle pas comment l'auto-move, donc bouger automatiquement parce que parfois mon analogue bug. Et aïe, j'ai failli récupérer cette balle. En tout cas, on a eu juste une occasion, on a eu juste un seul tir. Vraiment, c'est dommage. Ok, je prends les ballons. Mais qu'est-ce que je fous? Je sais pas ce que j'ai foutu. En tout cas, je fais un premier match catastrophique, les gars. Catastrophique. Et on va essayer. Attendez, je vais suivre la balle avec la caméra. Et c'est attention, on a failli prendre un but. Et qui me passe la balle, voilà. Oh non, c'était pas moi. Je croyais que c'était l'arbitre. Ok, les gars. On va essayer de faire une passe en hauteur, mais ça n'a pas marché. C'était bien essayé. Bon. Au moins, ça encourage. Coup du joueur. Et la jolie passe, la jolie passe. Je vais essayer d'y aller doucement. Ok, on y va vite. Je comprends pas. Et là, je fais la passe, mais elle était trop forte. Il n'y avait pas assez de soutien, il n'y avait que lui. Et forcément, les défenseurs savaient où j'allais passer. En tout cas, je crois que je vais être remplacé. Je vais augmenter mon entraînement d'endurance. Je ne savais pas que on pouvait perdre l'endurance aussi vite que ça.
Il faudra aussi que je sache s'il y a une façon de faire, de bouger automatiquement le joueur quand on n'a pas la balle, parce que parfois on fatigue le joueur sans le savoir. Donc j'essaie de venir, fais la passe ici. J'ai juste commencé cette vidéo sans me préparer, franchement. C'est la première fois que je joue vers une carrière. La dernière fois que j'avais joué vers une carrière, c'était sur PES 2013. C'était pour moi l'un des PES les parfaits pour vers une carrière. Et franchement, je m'étais très bien amusé. Et ici, c'est un peu différent. La mécanique est un peu différente. Différente, pardon. En tout cas, je crois qu'il y aura des remplacements. Non, je sors pas. Le coach ne veut pas me sortir alors que j'ai fait vraiment un match catastrophique. Je suis hors jeu. Est-ce qu'il peut me passer? Non, il n'a pas pu, il n'a pas eu le temps. Attention, et on prend le but. Malheureusement, mais on le sentait. On était dominé, on était vraiment dominé. Franchement, on était dominé, ils l'ont mérité. Ils l'ont mérité ce but, ils l'ont mérité. Et c'est le Havre. Ah, c'est le Havre. Peut-être j'aurais dû commencer en Ligue 1. Comme ça, j'aurais joué dans une meilleure équipe. Mais non, moi, j'ai envie de commencer une carrière plus dure. Pour la vidéo, pour les vidéos, je ne ferai pas tout le temps les grands matchs. Pardon, je prendrai pas les vidéos de tous les matchs. Je prendrai les vidéos seulement des matchs les plus importants pour que vous voyez mon évolution. Je jouerai parfois sans filmer. Après, je vous fais. Ah putain, mais qu'est-ce que je fais? Ok, je récupère la balle. Est-ce que je vais. Est-ce qu'il. Ah, ils ont sifflé. C'est comme ça toujours dans PS. Au moment là, tu fais une attaque. Mais y a pas de souci. Et donc voilà, le match est fini. Et il faudra que je change aussi les commentaires en français. Il y a des choses que j'ai oublié, franchement, à faire. Mais bon, je m'étais tellement concentré pour faire mon avatar et pour installer ce patch que j'ai complètement oublié les petits détails qu'il fallait faire pour avoir un gameplay parfait. Mais je crois que vous appréciez cette vidéo comme je l'apprécie. En tout cas, moi, je m'amuse comme un petit fou parce que pour moi, je suis en train de découvrir de PES 2021 la carrière. Je joue dans professionnel. Mais attention, attention, c'est pas la première fois que je vois faire ma carrière. Je n'ai jamais en fait joué à fond. Donc Messi élu meilleur joueur, comme d'habitude. Et donc, ah non, je peux aussi, en y réfléchissant, je vais diminuer tous les dribbles et je vais mettre dans double contact parce qu'il faudra que j'ai ça pour me débarrasser facilement des défenseurs. On va jouer un dernier match. Dernier jour des transferts. Il n'y aura pas de transfert, j'ai désactivé comme. Au début, pour que, comme vous l'avez vu au début, j'ai désactivé les transferts au début parce que je veux pas que certains joueurs partent. Comme vous voyez, en fait, dans ce patch, si je vous montre rapidement information sur une équipe, on va aller voir par exemple dans Ligue 1, on va aller comme au Paris, à Paris, pardon. Et là, vous voyez, il y a Messi, il y a Neymar, il y a Carlos Soler, Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha, Hakimi, Bernat, Nuno Mendes, il est là aussi, je crois. Ouais. En fait, il y a toute l'équipe, ils sont là. Et voilà, on va commencer notre match contre Châteauroux, les gars. Châteauroux, on va essayer de le gagner. Peut-être je passerai, je simulerai aussi quelques matchs qui ne seront pas très importants. Mais bon, je joue dans une équipe de merde. Je serais obligé de jouer tous les matchs pour bien évoluer aussi. Ok, passe ici, fais la passe. Ouais, là, oh non, j'ai fait une très très longue passe. J'ai cru que ça allait arriver, mais c'est pas arrivé. Attention, attention, il fait la passe, fais la passe. Oh non. Est-ce que Châteauroux pourra gagner? J'ai pas vu les statistiques. Ah, ils sont prenables. Mais ils ont un très bon attaquant. En tout cas, nous, on a de la merde devant. Fais la passe. Attention. Voilà. Si j'avais su, j'aurais pu continuer à récupérer cette balle. Attends, est-ce qu'il peut m'avoir? Est-ce qu'il peut m'avoir?
cas, il y a certains petits bugs que je vois parce que, comme je vous ai dit, j'ai installé un patch très très long, très très grand, pardon. Et du coup, parfois, il y aura des petits bugs parce que, tu vois, j'ai augmenté les graphismes. Et ça, c'est le but. Ouais. Le stade est silencieux. Ils sont étonnés. Trouve le volume toujours plus haut de mon côté. J'ai encore baissé. Mais vous, le volume va rester au calme, quoi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Faut que je regarde où je me place. Voilà, là, c'était passé. Il fallait que je fasse un peu plus fort. J'ai pas voulu mettre autant de force parce que. Bon, au moins, on gagne le match. On gagne le match et ça, c'est bien. Mais il fallait qu'il passe par ici. J'étais là. En tout cas, je ne sais pas encore comment faire les appels de balle. Quand je saurai, la prochaine vidéo sera meilleure, en tout cas, que celle-ci. En tout cas, dites-moi si la caméra du début. Vous avez préféré cette caméra-là. Attention, on va récupérer. Non, ça veut pas. Et on la récupère. Mais il n'y a pas faute, arbitre. Il n'y a pas faute. Il va me donner carton quand même. Non, il fait semblant. Il fait semblant, celui-là. Il n'y avait pas vraiment faute. Attends, regarde. Ah oui, il y avait peut-être faute. Mais heureusement, j'ai fait tout ça. En tout cas, le jeu sur lequel je. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? J'ai pas sauté dans le mur. J'ai fait une erreur de débutant là. Et on sait bien que dans PS. Ah non, j'avais sauté. Ce sont les autres qui n'ont pas sauté. Il a très bien tiré donc. Comme je dis, je joue PES sur un. C'était difficile, j'ai dû chercher PES quelque part d'autre qui n'était pas sur Steam. Et les revendeurs sur Steam, parce que vous savez, le jeu n'est pas sur Steam, donc on ne peut pas l'acheter. Donc vous comprenez, je l'ai eu de façon, vous aussi vous savez. Du coup, parce que PES, ils ont retiré PES, Konami, pardon, ils ont retiré PES sur Steam parce qu'ils se sont tellement focalisés sur eFootball, mais nous, franchement, les vrais joueurs de PES, on voulait pas de ça parce que la majorité des joueurs, nous jouons hors ligne. On n'aime pas le truc en ligne. On déteste ça. Parfois, il y a des joueurs qui ne veulent pas jouer en ligne contre d'autres joueurs. On n'adore pas ça. Parfois, on veut faire des carrières de joueurs, carrières d'équipe, si vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, moi, je voulais rejouer à PES, mais avec la mise à jour. Donc, j'ai cherché le jeu, comme je disais. J'ai cherché des jeux sur d'autres sites. Vous aussi, vous savez, j'ai pas besoin de le dire sur YouTube. Et puis, je devais installer la mise à jour. Au début, j'ai installé la mise à jour, ça n'a pas marché parce que j'avais pas, je comprenais pas, ça marchait pas. Pourtant, j'avais mis les mises à jour, je voyais les équipes, mais le match refusait de commencer et le jeu buguait. Il y avait tellement de lags. Même maintenant, il y a quelques lags. C'est moi seul qui le sens. Je sais pas sur YouTube si vous remarquez ça, mais après, je me suis rendu compte qu'il fallait ce qu'on appelle les data packs. Data pack 1, data pack 2. Et moi, j'avais que data pack 1. Et ça, je savais pas. Je suis allé chercher ça. Je suis allé chercher ça partout. J'ai téléchargé tous les data packs. En fait, il fallait que je les réinstalle parce que mon jeu n'était pas, comme je dis, officiel. Si vous allez sur les revendeurs, comme je disais, de sites, vous allez voir que le jeu est. Je vais essayer de faire une passe en longueur. En tout cas, je suis encerclé très rapidement. Si vous allez, comme je dis, comme je disais, dans les sites qui revendent les clés Steam, franchement, les revendeurs se font des couilles en or. Parce qu'ils revendent le jeu à 300 euros, 400 euros. Franchement, ça m'a choqué. Et moi, je peux pas acheter un jeu à 400 euros. C'est pas une PlayStation aussi. Et donc, vous comprenez, j'étais obligé de trouver ce jeu quelque part d'autre. Parce que je ne l'avais jamais acheté. J'avais acheté PES 2020, mais pas 2021. J'avais acheté 2017. Et pas 2021. Parce que, en fait, j'essaie de tirer. Peut-être j'aurais mieux joué, mais franchement,
Les joueurs étaient autour de moi. Attends, je vais essayer de récupérer. Ah là là, c'était très difficile. En tout cas, je suis en train de faire de la merde pendant que je suis en train de parler, mais il fallait que je vous le dise, quoi. Pour que vous compreniez comment c'est difficile d'installer ce genre de patch. Si me passe, non, mais fais la passe. En tout cas, il faudra que je sache comment demander des appels de balles. Et il y a encore un peu de bug, mais j'ai diminué le. Je joue en 720p. J'ai pas voulu jouer en 80p parce que j'avais peur qu'il y avait. Et comme vous voyez, j'ai activé beaucoup d'applications comme mon avatar. J'utilise une application qui s'appelle VMagic. C'est VMagic Mirror. Et pour créer ça, il faut Vroid. Si vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver comment être VTuber, quoi. C'est pas si compliqué. Mais aussi, j'ai galéré dans ça parce qu'au début, je voulais faire sur. J'ai créé un avatar sur Blender. Ça ne marchait pas super bien sur VMagic Mirror. Après, je suis allé sur Vroid. J'ai créé cet avatar. Mais après, ça marchait pas bien sur. Alors là, je vais sauter. Mais après, ça marchait pas sur. Comme je disais, ça marchait pas sur VMagic Mirror. Il y a beaucoup de lag en tout cas. Ça, j'ai remarqué. Mais bon, voilà. Si ça continue à laguer, je crois que je vais pas continuer sur ce jeu. Parce que, désolé, là, j'ai installé beaucoup de patchs. J'ai créé ce truc. Je vais passer à un autre jeu, peut-être. Je me demande quel jeu je jouerai. Et vu qu'il y a Football Manager qui arrive, peut-être je vais l'acheter et jouer avec vous. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, pour l'instant, je vais terminer la vidéo par ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Et à bientôt, les gars. Likez la vidéo et partagez. Allez, à bientôt. Je vous laisse. Ciao.